Salut Lou, donc là j'ai pris la route pour me rendre sur un spot de demain. Et là sur la route, eh bien, je me suis arrêté, il y a une partie de l'autre basque. Je vais les filmer ça d'un peu plus près. Pas rester longtemps, sinon c'est encore de la route à faire. Oui, ta sortie là, Médine. Réussite partout. Salut Lou, il est 6h du matin, je suis garé ici, avec Blacky nous apprêtons à effectuer une session en montagne, on a à peu près 2h30 de montée, c'est, lorsque je parle de montée, c'est vraiment une sacrée montée, extrêmement difficile, avec un plateau au milieu. Je vais pas vous donner le nom de la montagne, je vais vous donner une indication. Dans la précédente vidéo, j'en fais mention. Je vais pas, vous n'allez pas trop m'entendre parler durant cette montée.
afin de ne pas avoir de souffle coupé, de points de côté. Quand on fait une session en montagne, on évite de parler parce que sinon après ben, on n'avance plus, surtout quand c'est hard. Donc je filmerai juste de temps en temps sur des points de vue panoramiques. Certains reconnaîtront la région là. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, j'étais bloqué sur Bayonne pour des formalités administratives. Donc ça s'est résolu. Et le problème c'est qu'ici là, au Pays Basque, pour faire des activités intéressantes, quand je parle d'activités, c'est-à-dire pour visiter des lieux intéressants, la plupart ils sont tous payants quoi. C'est hallucinant comment ça a changé. Donc là j'ai effectué une quarantaine de kilomètres pour pouvoir venir ici. Il y en a d'autres qui sont fortement intéressants, mais j'en ai pour une heure et demie de route à peu près. Donc ben, je sais pas. Avec mon camion, c'est des frais de gasoil quoi. Mais qui concernent énormément. Je sais plus par où on passe. Là vous reconnaîtrez en présence. Certains reconnaîtront là. Je vais essayer de ne pas filmer le nom en haut. Voilà. Donc nous on va commencer par là. Je sais pas si on peut passer par là. Donc en fait, il y a deux possibilités pour monter cette montagne. Pour effectuer cette section, il y a par un petit train à crémaillère. Et sinon à pied. Alors j'ai déjà par le passé effectué avec le train deux fois à pied. Et il me semble qu'à l'époque on pouvait le faire aussi à cheval. Et peut-être faudra qu'on me corrige, peut-être que je me trompe. Il me semble même que j'ai fait 4 fois la montée. Admirez cette magnifique maison. Stylée du Pays Basque. Avec ses colombages rouges. C'est une des beautés du Pays Basque. On a parfois des maisons en colombage rouge. Le colombage, ce sont les poutres apparentes extérieures en façade. Certaines sont rouges, d'autres sont vertes. Donc avec le mur blanc, les couleurs du Pays Basque, c'est ça quoi, c'est le rouge, le blanc, le vert. Je sais pas où est le sentier. Je cherche le sentier, je me rappelle plus quoi. Parce que là, ils mettent interdiction de... pour les piétons. À l'époque, le chemin il longeait les rails, mais il y a eu des accidents et ça a été bifurqué. Donc je vais faire un petit tour de repérage pour voir par où on passe. Parce qu'il y a une propriété privée. Je sais pas. On va voir. Là, ça a bien changé. Je sais pas ce qu'ils mettent là. On va longer, les rails. De toute façon, ça rejoint le chemin un peu plus haut. Ouais, c'est parti. Ça grimpe. Ça grimpe. La montagne a fait 905 mètres de hauteur. Là, je crois qu'il y a un dénivelé de plus de 165 mètres à monter. Il me semble.
assez hard dès le départ. Les rails à crémaillère. Regardez la montée. Ça grimpe. Il y a des panneaux d'interdiction pour les piétons qui longent la voie ferrée. Mais bon, qui craint démarre dans 3 heures d'en bas, donc il n'y a aucun danger pour nous. Je rappelle, il est 6 heures du matin, donc ça va. Quoi qu'il en soit, le chemin pédestre, à un moment donné, longera la voie. Après le plateau, je pense, ou avant le plateau, je ne m'en rappelle plus. La chaîne est de goûter aux crottes de Bic. Ça fait 20 minutes qu'on crapaute avec Blackie. Je suis déjà essoufflé. Les mollets qui me tirent donc, c'est un compteur raide, hein, je vous dis. Comment ça va, on voit l'océan là-bas où. Je voulais faire la surprise pour le nom de la montagne, mais je vais être obligé de l'ajouter dans le titre de la vidéo pour les algorithmes de YouTube. Donc nous effectuons à l'heure actuelle la montagne de la Rune. Pour ceux qui ne connaissaient pas, les autres ont sûrement compris. On est qu'au début, il reste encore 2h10 de montée. Tchuss. Toujours en train de monter depuis le départ. Regardez si je m'accroupis.
dire ça, mais depuis tout à l'heure c'est comme ça. Ça va faire un peu plus d'une demi-heure là. On est crevé. C'est insoutenable. Toutes les 5-10 minutes je fais une pause. Tellement je crache du poumon là. Ça tire sur les jambes et tout là. Je peux dire que là tu sens la vieillesse. Je suis pas encore arrivé au plateau. J'en aurai encore peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure avant d'arriver là-haut. Et après je ferai encore une demi-heure, trois quarts d'heure pour arriver. Une demi-heure pour aller à la pointe. C'est dur. Hein. Allez, tchuss. Alors, nous arrivons au plateau. J'en voyais pas la fin là. Et bon, c'est pas encore fini. Hein. On va faire une petite pause avec Baki là. Même ma chienne elle est crevée. Ça montre un peu le panorama montagneux. C'est toute beauté. En fait là, la rune que vous voyez là-haut, là, c'est la séparation du Pays Basque français et espagnol. La frontière. Et quand on arrive en haut, on est côté espagnol. Là, je peux vous dire que ça va monter. Hein. On n'a pas fini. La dernière ligne droite, c'est qu'une montée. Allez. En haut, il y a des Benta, petite boutique. Parce que là, j'ai pris qu'une seule bouteille d'eau. Là. Marc, c'est pas lourd. Hein. On le sent. Et on va se ravir le temps qu'on arrive là-haut. C'est majestueux les montagnes. Tout ça là-bas derrière c'est l'Espagne. Après là il y a la France. Le soleil. Allez. On va se reposer un peu, boire un peu d'eau et dans 5 minutes on repart. En contrebas là il y a de la roche, on dirait des gromelettes, genre petits mini ou après je pense que ça va être naturel. Hein. C'est d'en haut là, c'est assez spécial. On dirait des petites gromelettes. On va passer le plateau là. Il y a une légère descente et après c'est que la montée. La montée en petit train c'est 20 euros. Ça
un budget assez conséquent quand même. Préférable de monter à pied. Partir le plus bonheur possible parce que avec la cagnasse là, je suis parti, il était 7h10 du matin. Et je suis déjà trempé. Et ensuite 2 heures de descente. On va se faire tranquillou. Hein. Le paysage est vraiment magnifique. Ça fait un petit peu Canada là. La même arrêt de courage dans le bavé tout à l'heure. J'ai pris une seule bouteille. Il reste juste un peu moins de la moitié. En haut, il y a des mentas, donc je sais pas à quelle heure ça ouvre. En Espagne, ils ont pas les mêmes heures que nous. Ils mangent décalé en fait. Hein. Nous, quand on mange à midi, ils mangent à 2h. À 14h, donc je sais pas si on arrive en haut, les mentas seront ouvertes. Je sais pas si ça aura 9h ou 10h. De toute façon, on va se reposer là-haut. Je vais tourner le panorama. Il y a un panorama à 360 degrés sur tout le Pays Basque, les Landes. C'est l'océan, c'est magnifique quoi. La deuxième fois où je t'ai monté, là, la première fois j'étais minot, je vais avoir 18 ans, je pense. La deuxième fois c'était à 27 ans. J'étais monté avec des potes là. Et là, après le virage, un peu plus loin là, on l'avait coupé. C'est-à-dire qu'au lieu de monter comme ça là, en suivant les rails, on a continué et on est monté, on a crapahuté de l'autre côté. Oh, c'est hard. La troisième fois, je l'ai monté à 35 ans. Avec une ex et son enfant, ses deux enfants. 35 ans, quelque chose comme ça, on avait monté en petit train. C'était autre chose, c'est sûr. La montée en train amène un autre panoramique qui est vraiment appréciable. C'est totalement différent quoi. Le vécu est différent. Je pense pas que je la remonterai une autre fois. Je pense que là j'ai une autre montagne à faire là, qui est aussi hard, mais moins longue. Voilà, la petite antenne TNT. Merde, navré. On voit bien le chemin tout le long là. Les derniers mètres sont les plus durs parce que ça monte à pic. C'est 1h qu'on a commencé la session. C'est indiqué 2h30. Je sais pas si je vais mettre 1h30 pour effectuer ça. Je pense que ça va se faire un peu avant. Je sais pas, quoique le haut là il est hyper compliqué là. Aussi dur que le départ. Au départ j'en ai chié. Depuis 10 minutes je m'arrêtais. C'est le repos et après ça monte.
je vais croire, 10 minutes de repos là, de marche tranquille. Vu que j'ai mis une heure pour arriver jusqu'ici, voilà, je pense que ça va être pareil, une heure pour monter ce qu'il reste à faire. Une là avec la benta en haut. Habituellement on rencontre des potiocs sur la période de l'année. Les potiocs sont des petits poneys du Pays Basque. Alors peut-être que ça s'appelle comme ça aussi ailleurs, hein, je sais pas. Je sais même pas si potioc c'est un terme basque. Je pense que oui. Il y a pas mal d'huile là sur les rails. Je sais pas si ils s'en sont aperçus, mais il y a des fuites d'huile partout. Kézako. Pays Basque. On entend les cloches du mouton. On les voit là-haut. Normalement, le chemin, c'est celui-là qu'il faut prendre. Tu montes comme ça, hop, et tu rejoins après. Je vais suivre les rails. Je préfère suivre les rails parce que le moment où le chemin il bifurque, il fait un grand détour. Et t'as 20 ou 30 minutes de plus quoi. En fait c'est beaucoup plus long par le chemin qu'en suivant les rails. Depuis le bas là, je suis parti en suivant les rails et normalement le chemin il contourne déjà dès le bas. Il fait un sacré contour, il rentre dans les montagnes. C'est pour ça qu'il compte en fait 2h30. Il semblait qu'à l'époque en 1h30 on faisait la montée. Mais bon, on était jeunes et gaillards. Là. C'est un peu tôt, je suis le con. Que vous voyez au loin, c'est l'océan.
commence à sentir le rythme, la cadence qui change là. Ça commence à monter. D'autant plus difficile qu'il y a des cailloux. Voilà, toute la corniche là avec l'océan. Le soleil communique une ton énergie. Besoin. Énième petite pause. On a les rails là, tout le chemin qu'on a fait depuis le plateau. Là, ça monte à pic. Hein. Et c'est pas fini. Ça. Ça monte à pic, léger plateau, et après ça remonte un peu plus haut là. Ah, il y a quelqu'un qui monte là. Je sais pas si vous voyez. Oh. On est presque arrivé là. Oh, putain, c'est dur. Hein. Oh. Presque à la fin.
dernière ligne droite. Aussi, on a plus d'eau. Il y a juste une gorgée chacun là. Je suis extrêmement monté quelque part là. Il fait des fougères qui finiraient avec de l'eau. C'est comme ça. À sentir l'air frais là, la loi sera meilleure. Il y a plusieurs chemins pour venir sur la rue. Il y a Sars, Cibourg, Asquin, Saint-Engrasse, Saint-Engrasse, qu'est-ce que j'ai. Allez, avance. J'ai préféré prendre celui-là de où il y a le petit train. Comme ça, je peux garer le camion sur le terrain où il y a les autres camping-cars. Défoncé là. Je suis bouffé par les tanks constamment. Avec son boss là qui monte. Allez, baguette.
qui arrive, les murs. Allez, viens, on va rejoindre le chemin. Allez, les loulous. On n'en peut plus, on est fatigué aussi. Allez, mes mères, presque arrivé. Allez. Roge. C'est plus long par le chemin. Des détours, des détours. Oh. Bonjour. Fatiguée la petite. Allez. Presque arrivé là. J'ai mal au bras. C'est reparti. Je vais rester sur les rails. Je suis au nage. Le soleil commence à taper là. Sérieusement. À 5h du matin dans la nuit. Allez, baguette. Les thermomètres, ils sont costauds. La chaîne. J'espère que j'ai trouvé de l'eau là-haut. C'est ouvert. Oui.
Big Anthem. C'est quelque chose. Thank you.
j'étais boire un petit jus d'orange frais, ça fait vraiment du bien. C'était bien glacé. Sympa. Espagne. La France, c'est à partir de là, juste en bas là, et tout ce côté là, avec la rune comprise, là, le point culminant, c'est l'Espagne. Il y a déjà pas mal de monde quand je suis arrivé ce matin, puisqu'il y a plusieurs chemins. Il y en a qui font 1h30, d'autres 2h, 2h30, ça dépend de là où on part. Un bon air glacé vous attend en haut. Les prix là c'est abusé. Je comprends, hein, c'est normal. Il n'y a rien aux alentours à part ici. Donc rien qu'une petite part de tarte de gâteau basque en myrtille là, 3,90€. Le truc est tout petit quoi. Le déjeuner là, pour ceux qui arrivent tôt le matin de bonne heure, là, qui veulent se rassasier, ça vaut 6,90€, il est bien copieux. On va voir là, ce que ça donne côté prix. Sandwich 4€, assiette de jambon 8,50€. Tout compte fait, je suis alors à un restaurant de Lens. On met un penta bar restaurant, mais en fait c'est qu'un restaurant. Fatigante à monter, appréciable au sommet, un grand air frais te prend là, c'est vraiment agréable parce que t'en chies pour venir. Le panorama est pharaonique, vraiment c'est majestueux là. Alors, une fois que le soleil est au zénith, tu vas voir de ces couleurs là, c'est vrai que le soleil est levant. Pas très bien là, ça fait comme si c'était un peu brumeux alors qu'il n'y a pas de brume. On va redescendre, on en a pour 1h30, 2h tranquillou. Retour sur Bayonne. Après, il faut que je me programme là pour aller sur un autre site. Donc, je sais pas quand est-ce qu'on se reverra. D'ici une semaine peut-être, je sais pas du tout. Là, le fait de ne pas avoir publié pendant plusieurs jours, plus une semaine, l'agent YouTube a descendu. Sûrement dû à l'algorithme, je sais pas. Je publie toujours, puis d'un seul coup, plus de vidéos, donc peut-être que ça a eu un coup.
Vas-y, je vous en prie. Bonne journée. Oui, de même. On entend les moutons. Dire que des milliers de moutons là pour l'Aïd vont être égorgés là. Scandaleux. J'accuse pas la fête musulmane, hein, c'est juste le principe quoi. C'est comme pour les abattoirs et tout ça. Toute barbarie sur un animal devait être. Devrait être punissable quoi. C'est scandaleux. Mais bon, que ce soit des fêtes religieuses ou le consumérisme alimentaire, c'est malheureux que les gens réfléchissent pas quoi. Même s'ils en prennent conscience, ils sont un peu je m'en foutiste. Petit train qui arrive. Voilà. Blacky, viens ici. Viens ici, ici dépêche-toi. Allez. Viens, reste-toi là. Tu bouges pas de là. Hein. Deuxième petit train, eh ben d'ici non. Attends, il y a qui, attends là, il y a là. On va attendre. Ah, le soleil il tape là. Waouh. C'est cogne. Blacky, ici, ici. C'est dangereux, reste là. Il y a de l'air frais qui vous attend là-haut. Il y a de l'air frais qui vous attend là-haut. Ah oui. Et une bonne boisson. Bon courage. Merci.
Allez, on y va. Ah, c'est le parcours du combattant là pour remonter. C'est tellement difficile quoi. Ça fait que de la grimpette à part le plateau là, c'est plus d'une heure et demie de grimpette quoi. Et vous avez vu la grimpette, c'est hard quoi. Je sais pas ce que ça vaut en pourcentage de pente, mais c'est plus de 15% quoi, largement. Hein. Certains endroits quoi. Là, les gars, ils ont envie avec la chaleur que ça fait. Je m'en serais même pas. Ah, si j'aurais su, je serais parti à 5h du matin. Là, ça tape. Là. S'il y a un chemin, là, je vais le prendre. Ça va me faire couper tout l'arrondi. Je vais voir. De couper à travers les fougères. J'ai pas d'eau pour la descente. J'aurais dû acheter une bouteille en haut, j'ai pas pensé. De ces mal de pied. J'ai mis ça, c'est des chaussures que j'avais acheté pour faire l'or à mon âge. J'étais artisan. C'est semelles et coques en acier. Et là, je sens les coques. J'aurais dû me prendre des autres choses là que j'avais. Mais bon. Disons que pour monter, c'était excellent. Mais là, la descente. J'espère que cette petite balade en montagne vous aura plu. Première petite balade en montagne dans le Pays Basque. Ouais, il y en aura d'autres. Hein. Faut que je me rappelle là de tout ce que je faisais quand j'étais jeune. J'en connais pas mal, faut que je refasse des recherches là. J'ai tout sur une clé USB, mais j'ai pas d'ordinateur, donc je peux pas les lire là. Faudrait que je m'arrête quelque part. J'ai gardé tout ce que je faisais, j'étais un bon marcheur avant. Il y a des personnes âgées qui sont vraiment courageuses. J'en ai croisé plusieurs là tout à l'heure. Chapeau. Faut en vouloir pour faire ça. On va se poser à l'ombre un peu là. J'ai l'impression d'être dans les roues là, tellement que ça cogne déjà dès le matin. Ils avaient annoncé quelques journées caniculaires là.
ôter au page, là, au point que jour, au retour, prendre une bonne douche pour se dégraisser des toxines. Un bon petit repas. Et cet après-midi, ben, on va se poser au bord de l'eau. Tranquillou. À l'ombre, parce que vu qu'il cogne là, avec la chine. Je vais faire un petit appel là, tant que j'y pense. Si certains ont des petites fenêtres petites ou moyennes pour camtar, camping-car quoi, je serais preneur. Et également pour les batteries solaires, même si elles ont déjà servi, hein, ça toujours mieux que rien. Là j'ai pas les moyens pour que j'achète un convertisseur et deux batteries solaires, je suis en 24 volts, donc je suis sorti 150 balles, donc c'est un gros budget pour moi là. Je cherche un job là dans les cueillettes, mais bon. Et puis non, la despette, c'est à partir de août-septembre. Là, c'est l'arrachage, mais ils ont besoin de personne. Je téléphone hier. Et après, ben, je trouve, mais ça fait loin, quoi. Et non, j'ai une place en Bretagne, là, un pote, un abonné. J'ai la possibilité de pouvoir bosser en Bretagne, mais c'est 200 euros de gazole, là, pour monter là-haut. Donc là, ça va pas être possible. C'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu être avec le poteau. Puis la Bretagne, c'est mes origines. Donc il faut que j'y aille un jour. J'y suis allé quand j'étais minot, mais j'aimerais bien passer du temps là-bas. Bien visiter la Bretagne. Faire pas mal de vidéos. J'avais repéré des trucs là il y a quelques années là. J'aurais bien voulu faire découvrir. Là à l'ombre, il y a un blacky. Il y a un blacky, on va se poser là. Je vous retrouve plus tard. Hein. On a descendu tout ça, on est passé par le petit chemin là. Il y a un chien errant, sûrement qui appartient à un paysan. Je voulais me poser, mais en fait je me suis rappelé que quand tu étais en montagne, si tu t'assois, ben ça te coupe les jambes quoi. Et là on est crevé, on est assis. Bon ben on va reprendre la route. Hein. Pas le choix. Sinon je vais avoir du mal à découler après. Le chien, je crois qu'il suit la chienne. En fait. Ça doit être en début de chasse sûrement. Il y avait un chien aussi hier qui rôdait autour du camtar là sur le spot. La chienne était aux aguets. Le moindre bruit, c'est ça qui est bien d'avoir quand d'avoir un chien quand il vit en camion. C'est que le moindre bruit, ben, elle jappe. Elle t'avertit quoi. Qui fait que ben, en général le chien il dort sur un œil la nuit. Il veille sur toi. Et la journée, ben, il se repose, toi tu veilles sur elle. Une bonne communion. Je pense pas que je reprendrai un animal après Blacky. La première a été une souffrance quand je l'ai perdu. Avec Blacky, c'est pareil. Il y a une connexion entre elle et moi. Je pense pas à pied un chien quand tu en prends un, t'en as pour 15 ans, 17 ans. Oh, j'ai pas envie de clapser en laissant un chien derrière quoi. Donc je sais pas, je verrai. On prendra un animal à courte espérance de vie. À réfléchir. J'ai pas suffi. Oh, le chien est toujours là. Ça va loulou? Blacky, viens là. Blacky. Blacky! Ici. Je sais pas si c'est un chien ou une. Ah, c'est un chien, ouais, ça va. Je vais pas monter loulou. Hein. Allez, on avance. Blacky, on avance. Allez.
Bien mûr. Je vous avertis, je vois pas du tout ce que je filme. J'essaye de tenir le téléphone le plus proche de moi parce que ça pèse sur le bras là depuis tout à l'heure. Je vais aller voir ça au montage. D'autant plus que le téléphone là, j'ai la partie sombre. On a pas mal descendu. Oh. Un petit train qui descend là-bas. Il descend à vide. Pas combien est-ce qu'il y a de monter le petit train dans la journée. En tout cas, c'est une sacrée rente. Hein. 20 euros par tête de pipe, ils sont peut-être 30 dedans. 30 ou 40. Mettons 40. 800 balles. Deux trains de 1600 balles. S'ils font ça toute la journée, c'est déjà pote. Le chien nous suit toujours. Vas-y, traverse. Et viens là. Vas-y, traverse. Allez. Ici là. Allez, dépêche-toi. Viens là. Allez. On va presser le pas, hein, les mères. Ça, c'est dangereux. Viens ici, la mère. Viens ici. Là. Viens là. Reste là. Bouge pas. Hein. Enfin, on se croisait sur le plateau, je pense. Putain, il y a combien de trains?
deux qui sont montés, il y a celui-ci, ça fait 3, et là il y en a un quatrième qui arrive. Je pensais pas qu'il y en avait autant. On va attendre une heure. L'autre chien il prend la route. Ça va être un chien d'ici, je pense. J'espère que c'est pas un chien abandonné. C'est malheureux. Souvent dans les montagnes, c'est ça. J'étais allé faire un rainbow en Roumanie, là. Rainbow de la famille Arc-en-Ciel. Un rassemblement. À la fin, il y avait une dizaine, une quinzaine de chiens qui étaient abandonnés. C'est scandaleux, quoi. Les gens, ils venaient du monde entier. Et ils abandonnaient leurs chiens en pleine montagne. Alors, la famille Rainbow, c'est en train de changer en ce moment là. Il y a plein de festivals, je sais pas comment on appelle ça, des tuffers, des festivaliers qui s'y rendent. Ben, quand ils arrivent sur place, ben, ils s'aperçoivent que c'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Ils se renseignent pas. La plupart foutent le bordel. Qui fait que ben, la philosophie Rainbow perd de ses vertus. C'est vraiment dommage. Il y a de plus en plus d'alcool et de défonce. C'est dommage quoi. C'est un beau mouvement qui a été mis en place il y a 40 ans en France. Pour ceux qui ne connaissent pas, la famille Arc-en-Ciel, c'est basé sur une philosophie indienne. Je ne me rappelle plus le nom, pardonnez. Je ne sais plus si c'est les Hopi ou d'autres. En fait, ça existe depuis les années 70 aux États-Unis, hein, depuis le moment des hippies. Ça fait 40 ans que c'est en France. Sauf que chez nous, c'est... Alors, je parle de ce que je connais, hein, c'est bien plus spirituel. Et en fait, la famille Rainbow montre au monde qu'il y a une autre façon de pouvoir vivre en communauté. C'est un peu le système anarchiste, quoi. Avec le partage pour le bien commun de tous. Je parle bien sûr de l'anarchisme de Kropotkin. Et pour faire court, vous arrivez, vous avez un camp qui a un parking, le camp off. Là, ben, certains vont dormir ici, sur ce camp. Il y aura quelques petites personnes, quelques gens du autochtones du bled, du pays où tu vas, qui vont vendre. Ouais, il fait frais ici, c'est agréable. Tu m'étonnes qu'il s'est posé là le chien. Eh ben Loulou, t'as eu une bonne idée, on va se poser ici aussi. On sent bien le frais entre les roches là. Oh, je disais donc sur ce camp off, voilà, ben t'en as qui campent. C'est un grand parking en fait, un grand parking. Donc c'est défonce, alcool et tout ça. Et après, ben tu montes à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure ou une heure en montagne. Et là t'as le camp one spirituel. Où là par contre il n'y a pas d'alcool, pas de drogue. Bon, il y a quelques bédos, hein, du shit ou de la beuh quoi, mais il n'y a pas de drogue dure, il n'y a pas d'alcool. L'alcool est strictement interdite. C'est très comme les Rastas quoi, c'est assez ital. L'alimentation c'est spécialement fruits, légumes, oléagineux achetés chez les paysans du coin, pas d'indus, ça c'est royal. Donc le matin tu te lèves, alors, donc, dans la montagne en haut tu peux planter, poser ta yourte, tes tipis, tes tentes, tu peux faire une cabane, il y a toujours des points d'eau de source et il y a des toilettes sèches qui sont fabriquées par des bénévoles et des responsables. Le matin tu te lèves, tu vois qu'il y a tes occupations. Faut pas oublier que c'est des, comment on appelle ça, des gens, ils viennent du monde entier, donc c'est toute langue confondue, hein. En général les discours se font en anglais quand il y a du partage, je vous expliquerai après, je vais en venir.
Donc le matin, tu entends des cris dans la montagne par écho, food, circle. Donc il y a 4 appels, ça c'est pour dire comme quoi le repas va être prêt. Et au 4e appel du food circle, c'est que le repas est prêt. Donc ce sont des gens qui font le repas, vous, moi, n'importe qui quoi. Ceux qui se portent garant. Donc au 4e appel du food circle, imaginez 3, 4, 10 000 personnes, voire même 20 000 personnes qui descendent de partout de la montagne. Parce que c'est immense, hein, c'est pas juste une colline, quoi. C'est partout, c'est une montagne qui est empruntée pour cet événement-là, quoi, ce rassemblement. Donc tout le monde descend et tout le monde se rejoint autour de la popote. Donc il y a plusieurs cercles qui se font. Il y a le cercle de ceux qui ont fait la bouffe, qui ont préparé l'alimentation. Après, il y a d'autres cercles un peu plus loin, mettons à 20 ou 30 mètres du premier cercle. T'as un second cercle plus petit, un peu plus grand, quoi. Et un autre tour un peu plus grand, et un autre tour encore plus grand, suivant le nombre de personnes. Donc là, il y a un petit OM pour remercier la Pachamama. Tout le monde se donne la main. Ensuite, il y a quelques minutes de détente et de délire. J'aime bien prendre pour exemple, admettons, moi je gueule Hakuna Matata, et tout le monde reprend Hakuna Matata. Blacky, viens ici, il y a le train. Viens ici, dépêche-toi. Viens ici. Et reste là. Viens là. Ici, là. Viens ici. C'est bien. Tu restes là même, là. Tu bouges pas. Donc, voilà, donc ils font la tournée de repas. Donc, admettons, il y a 10 custos. J'en ai un exemple, hein, 10 custos. Ils vont prendre les gamelles, c'est des grosses gamelles. Et ils vont faire la distribution de repas à tout le monde. Donc chacun doit amener sa petite gamelle, quoi, ce qui est logique. Et donc ils font le tour, il y a entrée, ensuite il y a plat et dessert. Et parfois, suivant le nombre de personnes, il peut y avoir un second tour de bouffe. Ensuite, à la fin du repas, il y a quelques personnes qui tournent avec un genre chapeau moulon et bottes de cuir là, qu'on appelle le chapeau magique. Et ce qu'ils vont faire là, ils vont, on va dire, quémander. C'est-à-dire qu'ils vont tourner avec le chapeau et celui qui peut mettre un peu d'argent va mettre de l'argent. Alors attention, j'éclaircis, hein, avant que certains commencent à juger, cet argent-là, il sert pour le lendemain à acheter à manger. Imaginez-vous, quand ils font venir 3, 4, 10 000 personnes, il faut du pognon. Donc chacun met ce qu'il peut, celui qui peut pas, ben c'est son frère et sa sœur qui va mettre pour lui. C'est comme ça, quoi, que ça marche. Hein. Et ben si toi t'as pas d'argent, ben la meilleure des choses que tu peux faire, c'est te rendre utile le lendemain matin ou l'après-midi, mais surtout admettons le matin quand tu te lèves, tu sais que t'as pas les moyens de participer à la gamelle, ben tu te rends utile à préparer la gamelle, ou aller chercher du bois, ou aller cueillir des champignons dans les montagnes. Voilà, quoi, il faut que tu te rendes utile, c'est logique. Hein. Il y en a plein qui viennent, qui profitent. Il y a toujours des parasites du système qui viennent, qui profitent, des brûleurs, des mendiants. Je suis navré de dire ça, mais c'est une réalité constante. Hein. Donc après ce chapeau magique, voilà, c'est une très bonne franquette, tout le monde parle, il y a des petits groupes. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire. Qu'on se donne la main là, et qu'on a un petit moment de délire, à un moment donné, il y a des gens qui vont dire, je prends exemple sur moi, je vais dire, admettons, demain matin, à côté du chêne là-bas, je propose un atelier de rééquilibre des chakras à 9h. Une autre personne va prendre la parole et va dire, ben moi, là-bas, sous l'autre arbre, à côté de la roche, je vais faire un atelier de tantrisme. D'autres, c'est de tai chi, ou etc. Et tous les matins, tu as des ateliers comme ça qui sont gratuits, proposés à tout le monde. C'est vraiment, vraiment puissant. Beaucoup d'énergie quand tu pars du camp off pour aller au camp on. Il y a plein de gens qui descendent de la montagne qui te disent welcome. Et sérieusement, tu passes 3 semaines, tu as des crampes aux zygomatiques, tellement que tu te sens bien, qu'il y a de l'énergie qui vibre, les gens ils se prennent dans les bras, ils se font des hugs cœur à cœur. C'est extrêmement puissant. C'est une très très belle expérience qu'il faut vivre. Je le recommande à chacun. Faites-le au moins une fois dans votre vie. Ça vaut vraiment le détour, quoi. C'est quelque chose de vraiment magique. C'est très bien structuré, hein. Vous pouvez y aller avec vos enfants. Il y a d'ailleurs des femmes avec enfants, des mères avec enfants qui sont
blacklistés par le système, qui sont rejetés, qui ne sont pas dans à leur place et qui suivent les rassemblements Rainbow toute l'année dans divers pays. À chaque fois qu'il y a un rassemblement, il y a une structure qui est mise en place pour la protection des enfants, donc c'est très encadré. Bien sûr, ce sont des parents qui encadrent les gosses, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a toujours des parasites du système, c'est avec des mauvaises pensées qui vont venir et tout. Donc c'est très très bien structuré. Les gosses sont vraiment très protégés. Il y a plusieurs adultes qui sont là constamment, toute la journée avec eux. Et après, bon, les gosses, ils rentrent avec leurs parents sous leur tipi ou leur tente. Voilà, il y a des douches qui sont créées, qui sont mises en place. Les toilettes chimiques, c'est pareil, toujours loin des sources, parce que je me rappelle en Roumanie, on a eu deux sources d'eau qui ont été contaminées par les défections des gens. Les gens, ils sont crades, ils réfléchissent pas, ils chient partout. Voilà, donc il faut faire un gros travail, c'est un effort. Les organisateurs qui s'occupent de ça, ils gèrent tout. Franchement, c'est voilà, une gratitude, quoi. Sincèrement. Et c'est vraiment une très 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 belle expérience, je vous le recommande. Vous pouvez apprendre à faire des fours à pizza ou des fours à, je ne me rappelle plus ce petit pain là israélien, dans tous les Rainbow on en fait, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Vous apprenez plein de choses à faire, c'est très enrichissant, vous ressortez, vous êtes bourré en énergie, vous êtes plein d'énergie, vous êtes gonflé à bloc, c'est ça que je voulais dire. Et vous êtes reparti, quoi. Je veux dire, c'est inoubliable. Faites-le si vous avez la possibilité de le faire. Il y en a tous les mois, il y a un calendrier, il y a sur une chaîne internet qui s'appelle forumrainbow.net. Il y a un calendrier avec un ordinateur, le calendrier est plus joli, il est tout en couleur. Et vous avez tous les mois qui sont inscrits dessus où est-ce qu'il y a des rassemblements. Je vais donner un exemple. Ce mois-ci, admettons, là, il y a un rassemblement, il y a le rassemblement européen qui se fait en Bulgarie, et en même temps il y en a un qui a en France, dans le sud-est. Alors c'est un tout petit en France, hein, ça a été fait à la va-vite, à l'arrache, au dernier moment, il y a eu pas mal de plaintes là-bas. Il y en a aussi, en fait le même mois, il peut y en avoir plusieurs dans le monde, ce qui donne la facilité à certains, suivant le pays où ils habitent, de pouvoir se déplacer. Et c'est ça qui est royal. Et c'est comme ça tous les mois de l'année. Donc faites-le, il y a toujours un Rainbow qui sera pas loin de vous, à 500 km ou 2000 km. Moi, je suis parti en voiture avec des gars là, j'ai été chercher 5 personnes en France, 6 personnes en France. J'avais un Citroën Évasion et on a fait après la route ensemble jusqu'en Roumanie, quoi. Je veux dire, voilà, ça se fait vite, hein. Il y a eu 2000 km, ça s'est fait assez rapidement, quoi. Donc voilà, je vous le conseille, faites-le. Ça va, bientôt arrivé là. Encore une demi-heure, je pense. J'avais oublié de mettre dans ces rassemblements Rainbow, il y a toujours un tipi avec un chaman qui est là pour soigner via des plantes ou la lithothérapie lorsqu'il y a des malaises ou quoi que ce soit. En général, c'est un bon chaman. J'ai jamais eu de retour négatif sur eux. J'ai connu plusieurs malaises dans des Rainbow et ça s'est toujours bien fini. Donc, c'est pas des charlatans, quoi. Bati, viens là. Ici, là. Viens là. Ici.
Il y a un autre train qui arrive. C'est mis à l'écart. C'est bizarre, c'est le seul qui est redescendu, les trois autres sont restés là-haut. Peut-être qu'ils redescendent tous les gens après, je sais pas. Voilà, mes mères, elles se sont mis à l'ombre là. L'ancien ruisseau qui est à sec. Et on arrive en bas là. Ok, le bois, voilà. Ah, l'autre train, putain. Où est-ce que je vais me mettre? Derrière là. Viens Blacky. Viens là. Ici là, là, viens ici. Bouge-toi là. Repose-toi. Oh putain, oh, il fait chaud. Ah, oh, c'est hard. À l'hiver, je pourrais bien que je fasse expérience en hiver. Là. Voir ce que ça donne. Ça va être intéressant. C'est reparti. Le chemin est déjà apparemment en bas. Il y a des gens. Personne. Des gens, ça se dit pas. Des personnes. Alors, je pense pas que je peux rejoindre là. Ce sera plus facile pour moi. Voyons si je peux ou pas là. Oh, cette casse-gueule. Je me sens pas à l'attaque. Si je peux rattraper plus loin. Ce sera moins fatigant là que sur les cailloux. Je n'ai ni que les pieds là. Ah mais ça rejoint là, donc c'était inutile. Ça rejoint les rails.
je vais stopper, je prends le même chemin qu'eux. Oui, on a pris le petit chemin. Il aurait fallu un cours d'eau, ça aurait été agréable. Ouais, c'est bon là. Pas le soleil qui tape, c'est agréable. Salut le chien, c'est tout beau. On croise le bol d'air frais là-haut, vous allez voir. Ouais. Vu que la ruine là c'est sur un pic, t'arrives là-haut, wow, t'as tous les vents là qui tournent. C'est mais rafraîchissant, pratiquement glacial quoi, mais pas glacial à forte consonance. C'est waouh, c'est vraiment là, c'est le vrai bol d'air que tu prends qui te fait vraiment du bien quoi. Ça te rafraîchit partout vu que tu trempes sur le torse, partout, c'est vraiment agréable. Oh, ça fait un peu moins mal aux pattes là, tranquillou. Inviter une bonne bouteille d'eau, la chaîne pareil je suppose. On croise. Merci. La chaîne va se poser sur la route du retour à 35 km à peu près jusqu'à Bayonne. Je sais pas quelle heure il est là. J'espère pouvoir prendre une douche avant le repas de midi. C'est sympathique. Ils ont mis des tables avec des bancs. En fait, il y a le deuxième parking qui est en bas là, pour les voitures. Là, si lui monte en BTT jusqu'à là-haut, il va s'amuser. Je pense pas que ce soit possible. Quoique par le chemin, on va derrière. Bon, après, ça monte à pic. Rappelez-vous, ce matin, j'étais venu ici, là. Donc on arrive en bas, on est à la gare du petit train. Je suivrai les jeunes, là. Je pense que ça va passer derrière. Ouais, il y a un petit chemin. Fatigué dans les murs, non pas plus là. Elle est vraiment crevée. Elle est presque affreuse. Allez, viens, Fifi. On y va, petit. Allez, on y va. Allez, viens. Elle est complètement morte. C'est beaucoup plus hard que la passerelle de Mazamé là qu'on avait fait. Là c'est du costaud, ça monte à pic constamment. Ça attaque dès le départ, là pendant une heure dès le départ. C'est la rude épreuve quoi.
blindé de monde. Ce matin c'était vide. Complètement blindé. Sans café, odeur très familière. J'étais à deux doigts de m'arrêter, mais bon. Après cet effort là. On arrive au parking. On arrive au mur. Ici s'achève cette journée sur la rune. J'espère que le voyage vous aura plu. Un peu long hein, avec les vidéos. Je vais essayer de raccourcir au maximum. Sinon, ça va être trop long pour vous à regarder. Merci pour votre attention, d'être présent. Merci pour les deux personnes qui ont fait un don sur Tipeee et un sur PayPal. Prenez bien soin de vous. Et passez d'agréables moments. Je vous embrasse.